sur le plan large là, Giroud à gauche et Mbappé à droite, essayer d'étirer cette défense anglaise, d'y créer les espaces dans lesquels pourront peut-être s'engouffrer. Oui. Ousmane Dembélé, le pied droit, oh, le pied gauche, allez au bout. Et bien ce sera pas pour Dembélé, mais ce sera bien pour Djibril Sidibé, oui, le très offensif latéral qui traînait là dans la surface de réparation anglaise et qui vient marquer au meilleur des moments possibles. Juste avant la pause, les Bleus mènent 2-1. On va revoir cette percussion d'Ousmane Dembélé, sa qualité de dribble qui a mis sur les talons là les défenseurs anglais. Regardez là cette fin de frappe, puis derrière il arme, il peut marquer, hein. On a envie qu'il marque après une action comme celle-là, et d'ailleurs il s'en veut Ousmane Dembélé, mais heureusement ce ballon est repris par Sidibé. Décidément c'est les défenseurs qui sont c'est ça. Ils sont dans des positions un peu improbables, un peu inhabituelles. C'était Umtiti sur le premier but français, c'est Sidibé sur le deuxième. Mais là, bon, encore une fois, c'est vrai qu'il a l'initiative Ousmane Dembélé, mais on a envie qu'il finisse, on a envie qu'il marque derrière une si belle action. Bah, il a face à lui un Tommy Tone qui est assez chaud quand même. Oui, dans ses premiers réflexes, il a une main sûre ce soir.